Combien d'entre vous s'est fait dire de tourner la page, de passer à autre chose, quand en apparence votre flamme jumelle se la coule douce avec une énergie tierce? Comment expliquer à quelqu'un qui n'est pas dans un parcours de flamme jumelle que l'autre, c'est vous, c'est votre âme en essence, et tourner la page sur lui et qui voudrait à tourner la page sur vous-même? Impossible de condenser tout ça sans passer pour un allumé. De toute façon, le parcours FJ est celui du retour à l'âme et en tant que tel, c'est un voyage sacré. À ne surtout pas crier sous les toits. Et entre nous, flammes jumelles, on peut se dire la vérité. Si vous êtes dans l'incapacité d'entretenir d'autres relations amoureuses dans le parcours, c'est surtout parce que vous n'êtes pas parvenu à ancrer les pensées obsessives de votre hôte et à neutraliser les douleurs énergétiques associées. Finalement, votre tâche n'est même pas de chercher l'autre, mais surtout de ramener votre énergie à l'intérieur et la maintenir centrée. Abonnez-vous pour avancer en conscience.